Écoutez bien ceci, je vais vous parler des méfaits de la masturbation. Parce que c'est une situation dont sont victimes beaucoup de personnes ici là-dehors, que ce soit homme ou femme, la masturbation. Ne dites pas que vous faites de la masturbation, c'est pour vous soulager, parce que vous n'avez pas de trouver de partenaire sexuel. Non, ce n'est pas bien de se masturber. Dieu a créé l'homme et la femme pour que l'homme et la femme puissent aller ensemble. Et non que vous restez d'une façon isolée, vous vous mettez à vous masturber. Et vous allez sur les vidéos des blancs et qui vous montrent comment la masturbation est tolérée et acceptée. Dans certaines cultures, surtout occidentales, ils tolèrent la masturbation, mais c'est dangereux parce que ça cause beaucoup de dégâts sur l'homme, sur l'être humain. Parce que quand vous masturbez, il y a des entités maléfiques qui récupèrent votre sperme et partent les utiliser ailleurs. Et vous allez constater, vous commencez à avoir des échecs dans votre vie, beaucoup de blocages. Et ça vous apporte même la faiblesse sexuelle. Et parfois même chez la femme, la frigidité. C'est-à-dire l'homme ne s'intéresse, la femme ne s'intéresse plus à l'homme. Parfois aussi, l'homme ne s'intéresse plus à la femme, il préfère se masturber. Il y a des femmes qui ont eu à m'appeler. Ils disent que vraiment, ils ne comprennent plus leur mari. Le mari ne s'intéresse plus à elle. Et il fait la masturbation en cachette. C'est ça le méfait de la masturbation. Et il y a des loges sataniques, des sociétés secrètes qui vous demandent de vous masturber, qui vous poussent à vous masturber. L'industrie de la, veut dire de la pornographie qui finance des films où on montre comment on se masturbe. Lorsque vous voyez ces vidéos, vous commencez à vous masturber. Ils récupèrent leurs entités maléfiques, mystiques, récupèrent vos énergies. Les femmes qui sont en relation avec des blancs, ils font des vidéos, comment on appelle ça? Ils se voient dans des vidéos, avec le webcam, où l'homme demande à la femme de se masturber devant la caméra. Elle ne sait pas que quand tu es en train de te masturber comme ça, lui, il est en train de puiser tes énergies. Après, tu commences à voir comment les choses ne marchent pas. Même si tu envoies un peu d'argent de temps en temps, mais ça lui sert beaucoup. Il s'enrichit avec. Et lorsque vous rêvez, dans les rêves, vous avez des rapports sexuels. On puise vos énergies. Et parfois, l'esprit maléfique maintenant ne vient plus vous déranger dans les rêves, mais vous restez comme ça, vous vous masturbez. Vous allez dire que non, je ne fais plus des rêves, comment on appelle encore ces rêves-là? Vous avez des rapports sexuels dans les rêves, bien les couches de nuit, mais que vous faites plutôt la masturbation. C'est toujours ça, les couches de nuit, parce que l'esprit maléfique récupère vos énergies et les utilise ailleurs. Donc, vous êtes cerné. Il y a les esprits maléfiques qui puisent vos énergies à travers la masturbation. Il y a l'industrie de la pornographie qui puisent vos énergies. Quand vous regardez leurs vidéos, comme maintenant, il y a les téléphones, les smartphones où on peut voir des vidéos en longueur de journée, des vidéos porno. Quand vous masturbez comme ça, ils récupèrent vos énergies, vous ne savez pas comment. Il y a les sectes, il y a les loges noires, il y a les sociétés secrètes qui vous faites de la masturbation, ils récupèrent vos énergies. Après, vous voyez comment vous avez des échecs dans votre vie, rien ne marche, vous avez la faiblesse sexuelle, vous posez la question que qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça les effets de la masturbation. Vous vous détruisez à petit feu sans le savoir. Ici, ahem.